t'a analysé et n'a pas analysé sans indignation. Et c'est eux-mêmes qui t'a préparé, si nous voulons, vague de fond ça qui arrive sur nous là. C'est lui qui arrive sur nous. Et là, peut-être que nous t'a parlé de lui, comme une série de monde qui pensait qu'il a tiré des privilèges. Et qui, de fait, il a tiré des privilèges de situation ça, de tout chaos ça que nous construit pendant un bon bout de temps. C'est chaos ça qui mène nous là, la situation que la vie qu'on est là. Mais la modèle, mais est-ce que nous sommes pas capables d'éviter ça dans la mesure où, à un certain moment, pendant un bon temps, il y a des groupes qui étaient acceptés, qui ont discuté avec les pouvoirs, et puis un lien par sorti. Je veux dire, si nous entrons dans le chaos un peu plus, si nous disons, mais qui sont les responsables? On me pose une question, ça, qui répond sous Kabamé? Eh bien, ma félicité, ma belle réponse à deux niveaux. En premier niveau, ouais, on a parlé de chaos, bien on a parlé de catastrophe. Tout le monde toujours connaît ça pour faire là. La grande question, est-ce que n'a fait avant chaos arriver, ou bien n'a fait et n'a fait après chaos? Tout le monde toujours connaît ça. Et c'est exactement la situation ça, la question qu'on posait, c'est la situation ça. En deuxième niveau, question de responsabilité. Mais il y a des mouns qui sont plus responsables que l'autre. Parce que c'est des mouns qui gagnent tout le pouvoir dans la mer. C'est eux-mêmes qui gagnent la police dans la mer. C'est eux qui gagnent la main dans la mer. C'est eux qui gagnent la capacité de contrôler les frontières. C'est eux qui gagnent la capacité de contrôler l'économie pays. Donc il y a des mouns qui sont plus responsables que l'autre. Et là, on a parlé de concession. En général, c'est les mouns qui gagnent plus à tout dans la mer. C'est les mêmes pour qui font des concessions. Et là, malheureusement, ça que nous vivons là pendant un bon bout, on a parlé de force de longue durée, ça va qui mène à côté que nous y là, hein? Si vous voulez, ou gagner des moules, et là, on a parlé des moules, là, c'est pas nécessairement seulement moule qui n'a fait l'État, on a parlé de tout le monde qui entourait appareil l'État, ça lui-même, et bien à ce que appareil là, c'est même genre, puis qu'à profiter de vos sous-pays, hein? Et puis on mène nous là. Donc, tout le monde nous a voilà, mêlé avec justement le monde qui a dirigé l'État, qui représentait eux, ils ont refusé de comprendre que dans le carrefour que nous avons là, côté que nous avons un bon monde qui a plaidé quitter le pays, côté que la violence est arrivée dans le niveau, côté que la violence a changé l'humanité nous-mêmes comme Haïtiens, côté que nous avons gardé, nous avons pété, déjà un professeur, nous avons arraché dedans, nous avons violé tout le monde, comme si nous avons pensé que le niveau de criminalité, le niveau de violence sociale que nous vivons là, nous n'avons pas continué à faire comme avant. Donc, pour gagner des gens qui sont plus responsables que l'autre, et là, bien sûr, comme nous sommes totalement divisés, nous sommes déchirés, nous-mêmes, nous vivons justement déchirement social ça, au quotidien. Et là, c'est pour ça qu'au niveau de Montana et au niveau d'un série de groupes politiques, nous disons que la seule façon pour nous sortir de la crise, il faut que nous ayons un large consensus entre différentes forces sociales, entre différents acteurs politiques pour nous sortir de ça. Malheureusement, mouvement et côté nous vivons dans la catastrophe, et qu'on y en a pu se réparer. Est-ce qu'on y a là, est-ce que nous sommes capables de réparer? Mouvement protestation, l'a pas amplifié, l'a commencé émission, on présente un tableau pour auditrices, auditeurs. Mais est-ce que je dis à l'art, nous capables de nous garantir, ou bien qui ça casse nous croit que c'est départ Ariel Henry capable d'aider nous, permettre nous, jouer un consensus là, sortir dans sa famille, ou du moins, au moins parler pour nous voir qui sommes capables de faire. Mais Marie-Lucie, évidemment, avant que nous répondions à une question, ça là, ce que ça devait parler, nous disons, hein? Non, et d'accord, hein? Comme vous posez la question, est-ce que nous allons parler? Non, nous ne pas parler. Ça fait que nous pas réparer, c'est parce que non pas que Zach Tarwa te commettre, il vient arriver, il vient basculer nous dans la violence sociale là, c'est pas dans le même temps parce que nous n'avons pas le temps que ça veut dire le monde l'a changé, l'environnement côté que nous y est fourni là. Et ça changé là, c'est différents dégâts que fait là. Donc on pas foutre réparer dégâts sur fait là, dans temps ça. Non, tant que le fait là, c'est pas même temps que nous y est là. Donc question de Ariel Henry, allez. On n'a pas parlé de toute gouvernance là. Et gouvernance là, il n'est pas inclus. Nous mettons cité nord, etc. Mais ça qu'on a parlé là, c'est toujours on a les structurels que l'on a regardé. Côté que nous arrivons là, qui ça qui est mis en place là, qui fait que nous arrivons dans un niveau de déliquescence, un niveau de déchéance
institutionnel, et surtout le niveau de violence sociale. Là. C'est tout un appareil qui est en place. Et appareil là, ce n'est pas question de Ariel Henry seulement, c'est appareil là. Ou bien, bien sûr, premier ministre, qui est en tout premier le responsable, mais on gagne tout le cabinet ministériel là. Ensuite, on gagne tout le monde que appareil ça, lui-même a profité, qui a profité de appareil ça, pour faire l'argent, pour jouer un privilège, etc., qui a soudoyé différents mondes. C'est tout appareil ça, oui, pour qu'il change la première là, pour qu'il permette qu'on gagne l'autre Haïti, pour qu'il permette qu'on fait ou traverser ou muter pour aller dans notre économie, pour aller dans notre pays. Donc, il faut que nous fassions ça. Là, nous disons changer au monde parce que il est toujours facile, question de dire changer au monde. Bien sûr, le monde ça est responsable, c'est le monde ça qui est un chef gouvernance ça, qui mène. Mais il faut que nous gardions toute gouvernance là, lui-même. Vous savez, l'association qui vient entre le monde qui est dans l'État et ensuite le monde, dans le secteur privé, dans le secteur politique, qui a profité de la situation ça, qui mène nous là. Et là, un an et demi, et n'a pas discuté, et qu'on y a là, Olivier, sous trois ans, n'a pas discuté pour nous dire, c'est pas vrai, nous pas foutu continuer sur ce chemin ça. Chemin ça a mené nous tout droit vers la vie. Nous avons refusé d'entendre. Seul ça que nous avons regardé, il y a une vision à court terme, c'est qui privilège que la besoin dans différents instances de l'État, contrat qui nous permet de joindre, faciliter que le lien, et puis c'est ça. Et en fait, il est aveuglé par privilège. C'est ça que nous avons là. Ça peut dire que l'opposition et que l'équipe ça chef lui doit aller parce que lui contribuer pour aggraver la situation. Mais côté qui des monde qui t'a maintenir chaque capable vivre, c'est que nous-mêmes nous pas gagner l'opposition veut dire un projet commun. Et je veux dire, vous comptez à Guintal, et quand janvier Guintal, bon, bien que moi, gagné des coalitions qui ont fait, mais chaque fois, nous pas qu'à parler d'un seul voix, puisque c'est-à-dire, nous sommes à bataille pour même bagarre là, c'est-à-dire pour changer Haïti, parce que nous pas voulu modèle, ça encore. Mais pourtant, chaque monde qui va être en bas évidemment. Que la vie qu'on y a là, la vie et on la vie en dedans en société qui est totalement en fait l'état cassé, c'est l'état qui effondré que nous avons gardé là. Et là, question de la parler de opposition, mais il y a un pile sous les il y a un pile intersection dans ça qui a proposé en abéia. Seul différent, il y a des monde qui a parlé essentiellement changer en gouvernance pour remplacer le par l'autre, et ça fait nous même que la vie là changer et excusez-moi. Et on premier ministre, c'est pour nous remplacer le parlement. Ça fait la vie, nous-mêmes, bon côté par nous, c'est pas vrai. Bien sûr, vous avez une responsabilité immédiate des monde qui a charge l'État, mais généralement, c'est ça que vous faites. Et nous-mêmes, nous toujours prenons un piège ça. Pendant 40-50 dernières années qui se passent, nous toujours prenons un piège, nous avons gardé le monde, justement, qui représente ce système-là, et puis nous dit retirer. Pour retirer, nous allons faire exactement le même bagage qu'il a fait avant. Parce que nous-mêmes, nous avons dit au niveau de Mondana, ce n'est pas vrai que Oukarité seulement n'a changé en personne. Bien sûr, en personne n'a changé, mais ça qui est important pour nous, comment que vous allez redéfinir relation l'État avec la société. Parce que c'est relation l'État avec le secteur privé. Côté que le secteur privé, on partit dans le secteur privé, retirer tout le ressource dans l'État. Si vous nous avons le niveau de déchéance institutionnelle que nous avons. Donc, nous-mêmes, ça que nous avons dit, et nous pensons que majorité moun est d'accord avec ça. Même si n'a pas qu'il est articulé autrement, même parce que majorité moun est d'accord avec ça. Il faut qu'il y ait un changement fondamental. Et changement fondamental, ça, passer en relation l'État avec les sociétés. Et changer, assurez-nous que l'institution est à même pour permettre que nous fassions ça. Permettre que nous mettions l'autre régulation, l'autre loi, l'autre dictée loi qui va permettre que nous ayons l'autre État. C'est là. Mais est-ce que le changement fondamental veut dire même bagaille que tout le monde, je dis, qui est en face de pouvoir? Je ne dis pas tout le monde. Je dis que c'est majeur. Il y a un bon masse critique de monde qui pense que le changement est un changement fondamental. Mais bien sûr, dans toute société, c'est comme ça. Pendant qu'il y a des monde qui pensent que le changement est un changement fondamental, il y a des monde qui pensent tout que il y a là pour le faire même bagaille là. Et si vous voulez, moi, je ne suis pas trop loin, 2016, que moi-même, que j'étais nommé comme premier ministre. J'ai été nommé comme premier ministre pour qu'ils sachent que ça n'a pas pu se passer.
c'est parce que là, il était clair, bon, c'est le monde qui dit que monsieur ça, qu'il vient là, il pourrait venir ennuyer la marche des choses, il pourrait venir contrarier la marche des choses pour eux-mêmes, c'est tout ce qu'il s'est fait. Il va même l'étendre et déclaration de politique généralement. C'est parce que justement, ça que je t'ai dit, là, ça, et me continue de dire, et te dit que c'est pas vrai que nous allons continuer dans la situation. Ralaguer nous dans ce monde, pour pas gagner tout jeune garçon avec jeune comme pauvre ça dans le pays, et pour comprendre qu'on va mobiliser toutes les ressources pays. Là, ça, c'est une sorte de solitude idéologique. Et là, nous continuons, bon, c'est eux, le monde qui n'a même idéologie ça avec nous, pour nous dire, pour que nous changions ça qu'on attend dans le pays. Là. Et c'est ça, oui. Donc, c'est force de l'homme que ça, nous avons gardé ensemble, et nous avons proposé pays à l'autre bagaille, et c'est même ça qu'on a proposé pays à qu'on y a là, pour nous dire que dans ça que nous tombons là, c'est pas vrai qu'on a fait un rien de cosmétique. Ça, tout fait là, son changement radical. Mm-hmm. Et nous avons gardé les principaux acteurs qui, dans la rue là, et, ou bien qu'a placé et des appels gagnés qui dit que bon, et je dis à Jean-Bala, il nous a gravé le pays à là, et pour Ariel Henry, aller n'a reconstruire. De l'autre note, et de côté groupe auquel on appartenait, qui dit, et pour toute force qu'on fait un pays à organiser pacifiquement pour être capable. Vous voyez pouvoir ça en place, et vous voyez pouvoir ça aller et pour être capable de construire notre pouvoir de transition. Mais je dis à là, pacifiquement, je ne vois situation. Est-ce que vous pensez, ça dit mot ça, il y a un vocabulaire, population, c'est dans les populations, on dit même, il y a dans la rue, véritablement, parfois nous, avec manchette, et on est en face et à la police. Qu'a bombardé de gaz à climat, j'en ai tout sacrifié hier là, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui à un bar pacifique qui a fait vraiment pour nous sortir là, pour nous sortir dans ça, on allait au-delà des mots, on regarde les réalités? Bon, c'est évident, Marie-Lucie, nous, on y a là, on est insurrectionnel. Donc on est insurrectionnel, ça, combien de mois, combien de semaines, combien de jours que la durée, mais c'est évident qu'on y a là, nous, on est insurrectionnel. Et quand je suis là, le monde qui mène nous là, c'est le monde qui a prouvé les pays et qui a refusé de faire des concessions. Le monde qui mène nous là, et c'est le monde qui a profité de gouvernance pays qui comprend que malgré nous, il vient dans l'état de déconfiture, c'est comprendre qu'il a profité de ça. Ou bien nous venons dans l'insurrectionnel là, malheureusement, n'importe quoi peut arriver. Et c'est ça la grande panique là, oui, qu'il a, qu'on y a là, c'est là la grande peur pour tout le monde. On menait en population le niveau avec niveau de violence. La population ça a revendiqué droit, j'ai pour bien mentionner. Ou gagner en force de police, force de l'ordre là. Généralement, c'est justement pour mettre l'ordre dans le pays, mais l'ordre dans le pays qui ça supposé y fournir dans le pays. C'est justement c'est violence qui a fait sous population, mais la population lui-même là pour revendiquer droit lui, c'est bien force de l'ordre là, bien population. J'ai que fait avec les organisateurs et manifestation hier, ils baignent avec gaz lacrymogène. C'est comme si on vivait en l'État qui voit le vivre à l'envers, alors que l'État est supposé protéger la population contre le monde qui a fait violence. L'État n'a pas fait rien contre le monde qui a fait violence aux populations, et ces populations là-bas. Donc là, le propos, on dit est-ce que nous avons parlé de questions de pacifique? Bien, Montana, toute organisation comme de Montana, nous toujours prônons un changement pacifique depuis longtemps. Nous disons que le changement là, il se faisait fait à partir d'un gros consensus entre les différents, la société civile là, et acteurs politiques pour nous arriver à changer le gouvernement. Malheureusement, et cette voix-là n'a pas été écoutée. Et puis, on vient arriver dans une situation tellement délicate qu'on y a là, on vient dans une société fragile. Et là, l'environnement que nous avons, c'est un environnement totalement délétère. Et là, c'est peut-être que le questionnement qu'on a posé à son questionnement, qui à l'autre du jour, est-ce que ça a fait? Mais nous-mêmes, nous n'avons pas d'âme au niveau de Montana. Et au niveau du groupe que nous avons parlé, nous n'avons pas d'âme. Seule parole que nous avons parlé, nous avons son parole pacifique. Et
tout dans la rue, même qui dans la rue, il y a moins d'un seul bagage pour que pour voir ça aller pour le ministériel et qui puisse aller avant 7 février. 7 février, mon Dieu, c'est mercredi. Que dans l'espace de 48 heures, en pile bagage est capable de passer, même garder gens et situation liée là, c'est très chaotique. Mais au-delà, et si nous, mouvement ça, lui parler avec le premier ministre, au-delà de 7 février, est-ce que c'est même bataille à continuer ou bien à obliger pour une autre phase et qui sort à cahier? Marie-Lucie, où est-ce côté que nous est là? Le pas 7 février, le pas 6 février, le pas 7 février, la 8 février ou bien la 9 février ou bien la 10 février. Donc, comme nous ne pouvons pas gagner un boule cristal pour nous garder. Seul ça que nous connaissons, c'est la vérité de la situation. La vérité de la situation, c'est que vous gagnez une population qui a beaucoup de ressources. Vous gagnez une population qui viole les petites, qui viole les madames, qui tout les petites, qui tout les papa, qui tout les maman, tout les temps, qui pète les gémons. C'est ça qui est la vérité de la situation. Ce n'est pas vrai et que nous sommes illusions qu'avec la force ou bien avec appui international, il va le rester plus longtemps. Bien sûr, et c'est parce que plus il y aurait été, c'est plus situation à venir. C'est ça pour le monde comprendre. Il n'a pas dit de se venir, et c'est parce que son fait ou a prouvé violence là. C'est comme si son chaudière qui a bouilli, ou a forcé ou a mis ton couvert sur lui. Eh bien, la bine picho, et bien, il a éclaté. Il a éclaté, violence ça que nous avons fait. Que le monde nous sentait. On a une sorte de tendance même à violence, la population, parce que la population, c'est lui qui subit plus dans la situation, la population plus pauvre. Et ça, c'est après découvrir Nicaragua, etc. Donc, pour nous-mêmes, plus on prend temps pour résoudre le problème, c'est plus violent sortir de crise. Là. Donc, mais pour qui ça, pour nous arriver dans le niveau de sortie de crise plus violent, il fait que comme il y a là, moi, je suis d'accord pour nous exactement côté que nous parlons. Mais, et comme dit, est-ce qu'on doit écraser, comme on peut mentionner ça, et des gens qui disent écraser pays à la proportion. Pour nous-mêmes, c'est sous les feux de l'action parole ça aussi. Parce que de toute façon, on va gagner pour écraser en Haïti encore. On peut écraser. Moi-même, par exemple, qui sortit au Cap, bah ouais, un est pour écraser au Cap. Au Cap, déjà écraser, déjà, donc pas gagner pour écraser au Cap. Ou quand vous faites le même mal, on va gagner pour écraser, non? Sous les feux de l'action et des paroles, tout ça. Mais ça pour ne pas faire, pour ne pas sortir de crise de manière pacifique, là, je me demande, est-ce que le possible encore? Il vient plus difficile, c'est clair, il vient plus difficile. Mais, ça qui est important pour moi-même, c'est une mécanique de là pour nous garder, et surtout mécanique de changement de gouvernance. Là. Nous-mêmes au niveau de demain, et avec de l'autre groupe, nous supposons, nous allons renouveler encore, parce que nous travaillons avec notre groupe, sous proposition que nous défions, nous allons renouveler encore ça que nous allons renouveler avec des groupes, nous sommes dans Montana et notre groupe qui est en dehors de Montana, pour nous dire, mais qui ça que nous proposons comme mécanisme, établir feuille de route que nous gagnons, pour nous permettre que nous redresser la situation, parce que nous, notre situation est extrêmement difficile, il faut nous payer mes feuilles de route, mais qui ça nous propose. Il me semble que Goma a fait au niveau de pouvoir là depuis, en tout cas, mois décembre 2023, pour être si on était capable de sortir avec Goma. On a le consensus. Est-ce que Montana a contacté? Non, pas au courant. Et qui vont où est-ce qu'a fait là, puisque nous toujours croyons que pacifiquement, si nous sommes en bas, il n'est pas mieux qu'entrer un peu plus dans la voie, tout le bagage tapé. Ah non, c'est évident. Mais ça qui passe, discussion, c'est ça que nous avons dit là, en début d'émission. Discussion qui t'a fait il y a de cela 7 mois, il y a de cela 1 an, sous question de sortie de crise là. Discussion que nous-mêmes, que nous proposons de manière très claire, et là, pas seulement avec les acteurs locaux, mais avec les acteurs internationaux. Pour nous dire, mais si ça c'est un temps bien donné. Mais qui ça vous fait? Ou what a bien situation? Ou c'est pour venir envenimer ça qui a passé en termes de violence sociale sous population. Ou c'est que plus de crimes sous population. Et là, ça, il vient mettre dans l'autre environnement.
ça veut dire environnement que nous pays là dans cette discussion ça c'est pas même environnement je veux dire là qui vient même justement toute sortie de crise qui va avoir l'autre allure par rapport à la discussion ça fait avant c'est là que nous y est. Ça veut dire qu'il y a des gens qui réticent la question de changement supposé fait parce que dans cette période le temps leur appartenait et là il y a réalisé que c'est pas eux-mêmes qui mettent temps et c'est pas eux-mêmes qui font événement grosse série d'actions que des fois actions ça ouais ils ont produit des conséquences et conséquences à lui-même ils viennent traduire dans l'environnement ils viennent bon l'autre pareil c'est non l'autre pareil que nous est là nous pas content insurrectionnel non il y a de ça cette 8 mois là on entend insurrectionnel lui et dans temps insurrectionnel là pour nous répéter pour Augustin on oblige ils viennent le temps des patriotes c'est pour différents patriotes en d'un pays là camper suite ensemble ensuite mais qui s'appelle la paix. Allez, c'est pour nous dire, et c'est ça, il y a pas de main, non, pas de, au niveau du pouvoir, on va y faire. Bon, bien que, même le dit, de contacter des gens qui, au niveau de l'opposition, c'est-à-dire, ça nous proposer comme alternative, là, nous avons besoin d'une masse critique, nous arriver réunis derrière, ça, porter projet ça. C'est là, oui. Bon, moi, je dis que ça va nous pêcher. Non, parce que le monde qui campait derrière un changement et structurel dans le pays. On m'a critiqué de monde qui clair sur ça. Mais évidemment, pour arriver à ça, il faut qu'on voit un changement de gouvernance. Et le changement de gouvernance, je pense que parole qui a parlé pour le changement de gouvernance, là, même s'il dit de manière particulière par différents groupes, c'est la même parole qui a dit. Il dit gouvernance, ça, que nous gagnons là, qu'on y a là. Lui-même qui traînait nous pendant 3 ans dans le niveau de déconfiture l'État, dans le niveau de déchéance institutionnelle, le gouvernement s'est changé parce que la parole l'a clair. Là. Je pense que la parole disparaît. C'est pas une question qu'on t'a posée avant. Mm-hmm. Et que, oui, est-ce que tout le monde garde la transformation, ça, même Jacques nous-mêmes? Bien sûr, on a des déchéances. Parce que, évidemment, nous pas des monde qui passent même Jacques, etc. On a des déchéances. Et une grosse différence, et c'est là que je dis tout pour nous faire attention. Ce n'est pas vrai que nous avons changé le gouvernement de la pays pour nous faire même ça qui mettait nous dans la situation. Si vous voulez, moi, c'est gros alerte que nous avons. Ce n'est pas vrai que nous avons changé le gouvernement là pour aller piller la loi, pour aller piller APM, pour aller piller BNC, pour aller piller DPH. Pour aller... Non, nous ne pouvons pas faire ça encore. Nous okay, mais... ça pendant c'est fini, c'est lui qui mettait nous là. Mais est-ce que je ne vais pas risquer d'arriver comme ça, parce qu'il y a des mots sous tête, non, dans la mesure où. L'impression que ça va être fait dans la loi, n'est pas organisé. Et je vais finir trop comprendre qui fait pas. Non, mais ça va être fait dans la rue, là. Mouvement de protestation, responsable, politique, nous avons l'impression qu'il y a plein de rien et en marche. C'est pas nous-mêmes, c'est pas l'élite là, ou bien partie de l'élite là qui décide, qui dit, et bien, on a guidé la population, mais la population, c'est. Et ouais, situation difficile, c'est vrai. Mon monsieur qui est le Guy Philippe qui est rentré dans le pays, qui est sonné la révolte, ben, elle a commencé comme ça, mais on sait de zones, ouais, qui est embrassé mouvement de protestation avec quel leader politique, que ce soit national, régional, qui derrière bagaille ça? Non, mais c'est comme ça. Non, c'est insurrectionnel, c'est toujours comme ça. Il m'a réussi comme si. Haïti pas difficile. Selon ça qui passe. Généralement, ça qui passe dans l'entente insurrectionnel. C'est que avant qu'on arrive dans l'entente insurrectionnel, il y a une série de monde qui t'a parlé, même j'ai moi-même, même j'ai comme ça, même j'ai notre leader politique qui a parlé. Qui a dit justement, les tenants du pouvoir, que ça. Ça m'a dit depuis longtemps. Hein. Ça me dit, on peut le traîner nous dans un carrefour qui parle extrêmement difficile. Et non, même jour, en 96, les autres traînaient nous dans le cas jusqu'à ce qu'il y ait une raison de déchoucage, de barrer affreux. Nous, tout le monde a dit avant, a dit non, fais attention, nous parlons de ça. Mais c'est justement, c'est la situation que nous avons eu. C'est pas que les leaders politiques, eux-mêmes, ont à la traîne. Non, les leaders politiques n'ont pas à la traîne, non, de ça qu'on fait là. Ou bien, nous, on est dans la société civile, là, pas même monde politique. Nous, on est dans la société civile là. A dit depuis longtemps, non, mais suspend, pour pas qu'il y ait un gouvernement sage. J'ai gouverné ça et là. Côté que 2-3 mouns accaparé tout le pouvoir en l'État. Et puis c'est eux-mêmes, le premier ministre, le président, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice,
on dit non, il faut que nous retournions à la normalité, à une certaine normalité, mais surtout, non pas ce qui continue, ça nous pas redéfinir la relation de l'État avec les sociétés. C'est ça que l'on a dit depuis longtemps, hein? Mais mon passé, malgré Marie, mon a vidé quitter le pays, hein? Nicaragua, Brésil, Chili, République Dominicaine, il a fait nous, on a traîné nous dans la rue, il a tué nous. Mon qui a dit ça, il a refusé. Il y a les Nations Unies, il y a l'OEA, il y a des mensonges de sa capacité dans le pays. Hein? Et puis, quand il y a là, ces mensonges-là, oui, qui retournent sur nous. Parce que ce n'est pas vrai, l'homme de dynamique sociale, pour arrêter, pour nier la vérité de la situation, et pour belle vérité pour vous. Donc, ces mensonges qui retournent sur nous là, qui viennent bon éclatement ça, mais éclatement ça, leader politique, monde qui est dans la société civile, c'est toujours à dire ça. Et nous continuons à dire, et c'est pour ça qu'il y a des propositions différentes, même quand je dis qu'ils vont rejoindre dans le nous supposons ça. Ou dit, c'est que c'est pas vrai que je dis à la, nous cachons dans ça pour nous dire qui pis mal, ou bien pour toujours qu'il y a des systèmes bien liés, juste pour exemple inégalité. Mais, ça qu'a fait là, crainte là, c'est que les débouchés sur ça. Justement, parce que, pardon, il m'a répété, parce que pas organisé, pas de, c'est une population qui semblait prendre en main, et que n'importe où, aujourd'hui, qui est capable de porter le costume de monde qui voulait changement, parce qu'il n'est pas vélé, mais il mettait grave là, il parlait langage là, et j'en nous habitué à ça dans le pays. Et puis, arrivé au moment où elle fait d'appuyer sous mouvement, saisir, était ouais, ou dans même bagarre là toujours, ou bien les petits pinards. Eh bien, justement, nous-mêmes, c'est Aliasta, c'est que nous restons. Même si on m'a réussi. Moi-même, nous, Capans, c'est près de nous, en 2004. C'est pas loin, nous. 2004, s'ouvrir, les populations dans la rue, etc. Et puis, il y a un monde qui fait d'appuyer. Et là, vous avez raison, on nous fait d'appuyer. Après ça, excepté que, là, on fait d'appuyer, même le monde qui a été mis devant, même le monde qui a vu comme instrument, qui s'en fait, j'étais en contention. Et puis, d'accord, on a fait ça, ils ont allé, ils ont appelé le ministère de l'économie et des finances, ils ont pris un bidon et franchise, yo, projet dans l'État, ils ont fait le budget, j'ai ouvert, pour le budget qui a profité à l'entreprise, pas yo. Et puis, ça a continué jusqu'à ce que le culminé. La situation que nous avons là, qu'on y a là. Donc, nous sommes pas pour guérison, mais ça que nous avons dit justement. Nous avons dit, là, dans le niveau que nous vivons là, s'il y a des soins qui comprennent l'expérience, il y a mis des gens devant. Et mis des gens devant pour faire nos bains dans la rue, il y a mis des gens devant pour aggraver la situation chaotique là. Et puis, ils comprennent qu'ils ont pris le fait. Même bagage que c'était avant, nous pensons qu'ils se trompent. Parce que nous, l'autre monde, nous, notre environnement, et violence qui finit cette population, violence après le sexe sur tout. Donc, moi, je pense que, je ne pas faire ça, non, Marie-Lucie. Je ne pas vu qu'on a reproduit ça la première. Il y a des gens qui ont fait ça, mais soit reproduit ça, et violence ça, que ce sexe sur la population, pendant tout ce temps, ça, violence ça pas retourner sur eux. Donc, personne ne parlait, une sorte de violence ad continuum dans la société. Hein. Nous voulons justement rétablir l'ordre dans la société, hein. Rétablir, refaire relation. L'État avec les sociétaires, pour nous avoir notre pays. Ce n'est pas possible dans le 21e siècle pour nous donner ça. Ce n'est pas possible comme si pour même la santé pour la population, la santé, c'est en République Dominicaine, moi-même comme on était tout près frontière là. Mais c'est un bah, état économique. Pour nous, c'est qui chita sont entre trois dans le vieux dispensaire dans la République Dominicaine. Alors, on dit vieux dispensaire, c'est parce que c'est pas vieux, non, pas c'est ça. Et ça veut dire, même ça, nous ne pouvons pas offrir la population. Ça se passe, nous prenons toute ressource population. Il y a quelques monde qui accaparent de toute ressource population et puis qui fait que pas de santé, pas de éducation. Éducation est un bagage accessoire. Éducation est un accessoire dans la mesure où ça l'est pour payer pour ce qu'on dit là. Éducation est un bagage accessoire parce que ça veut dire que ça va aller sans rien pour vous. Question de l'éducation. Donc, l'origine vient à un niveau ça. Si ça qu'on fait, nous vivons dans nos sociétés pour que vous gagnez un petit couchon très fin. Qui a tiré ça, les nomades de luxe, c'est mon qui a voyagé, qui a fait nez, qui a fait tout bagage, qui a fait une construction, etc. Et puis, ou gagné les nomades de la misère, c'est la majorité de mon âme dans le pays,
c'est Cap Coury qui était Sainte-Suzanne pour aller au trou, pour aller au Cap, qui est un Cap pour aller au Port-au-Prince. Et puis, le n'est pas capable quand même. Il y a la République Dominicaine, il y a le Brésil, il y a le Chili. Après ça, non mi-temps, il y a un petit couche moyenne qui file. Petit couche moyenne, ça lui-même, comme pas de travail dans le pays, il dépend essentiellement de l'État, en partie, et de quelques oligarques avec des ONG. Et si vous choisissez lui-même, il peut pour ne pas basculer, pour ne pas le nom, les nomades de la misère. C'est ça qu'on gagne comme société. Côté que nous, avec une situation comme ça, on ne peut pas aller trop loin avec ça. C'est ça, nous, on dit qu'il faut le changer. Et pour le changer, justement, il faut redéfinir les règles. Côté que tout le monde a en série de bagages. Éducation, santé, et surtout, le monde qui veut faire business, il y a gagné. On sorte de jeu égal pour tout le monde, mais qu'on n'est pas ça pour gagner. Et c'est ça qui permet que nous gagnons notre société. Et parce que nous, il y a des gens qui décident pour celle, il y a des gens qui ont des capacités pour celle. Non seulement nous gagnons ici, mais qu'on y a là, ou il y a des gens dans la diaspora qui plein de relations, qui plein de réseaux d'influence, qui plein de gens qui ont investi dans le pays, qui plein de gens qui ont enseigné, jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays. Donc nous gagnons la capacité pour nous faire ça. Et c'est ça, nous supposons mettre des bases pour nous faire ça. Pendant en transition. Les transitions, mm-hmm. c'est ça la fait essentiellement. Mais c'est base pour nous reconstruire le pays. Reconstruire le pays, imaginer collectif, qui monde avec les jeunes filles, avec les jeunes garçons dans le pays. C'est ça, oui. Quand on a eu le dialogue fait avec vous, il n'y a pas marché. Et vous avez déploré tout à l'heure là que la communauté internationale là, a dépris. Depuis son situation, il continue et il a soutenu, et le premier ministre a soutenu le pouvoir en place. Soit on fait de monde qui dit, je veux dire, si vous avez besoin de discuter et sortir à un bagage, c'est discuter directement et avec la communauté internationale. Moi, c'est pas ça, oui. International, là, oui, mais avec différents oligarques. Et même soutenu pour voir ça, c'est la nationale là seulement. Mon dans le secteur privé qui a soutenu la situation là, et c'est eux-mêmes qui ont été communautés internationales parti, et puis eux-mêmes qui ont été parti. Donc, discussion, je suppose, est faite avec les réacteurs, voilà, d'accord. Mais, c'est que, parce que là, mon taïwa, qu'il y a qui réussissent comme des marionnettes, généralement, il y a des histoires pays, les rages populaires là, lui-même, dans la rue, ce n'est pas deux voix que ça y est qui concerne. C'est vous-même, oui. Parce que c'est vous-même qui gagnez sans mandat ou avec mandat, c'est vous-même qui l'a de vous. Ça existe pas. Faudrait que nous parlions là. Comme dans le ouais, un ministre, un de gouvernement, ça, descend en marché, on va marcher pour l'entrée dans une boutique tout d'un bas. Donc, comme on le connaît, certes, c'est là il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Ça veut dire, même dans le pays, nous demandons à la population, parce que la population a pris le responsable de tout ça. Les gens qui ont violé les gens. Il y a un monsieur que j'ai rencontré dernièrement, et qui m'a vu ici. Et l'on rencontré monsieur ça, c'est bien, vous criez. Monsieur était tué, deux petites filles avec madame. Donc, pour gagner, s'ouvrir, on va être prouvé. Il y a un ressentiment qui a prouvé dans la population. Et ressentiment ça, la face de ce ressentiment, c'est le monde qui directement a dirigé le pays. Le monde qui est responsable, le monde qui est premier ministre, et en partie, le monde qui est responsable de la sécurité pays, en partie dans la police, c'est le visage ressentiment. Donc, c'est vrai que c'est yon a regardé, et violent, ça c'est sous yon, il peut aller, mais vrai acteur, il faut que tout le monde en date. Vous reconnaissez vrai acteur? Monde qui tient des au niveau national, monde qui tient des au niveau international. Mais est-ce que l'homme de l'impact sur le plan national, est-ce que nous accessible, est-ce que pas invisible? C'est toujours comme ça, hein. C'est toujours invisible. Et mettez des petits fonctionnaires devant, monde qui chaud, puis au ministre, pour ceci, pour cela. Et le violence là apparaît, le monde d'ailleurs pas loin. Mais qu'on y a là, il faut que nous-mêmes, que nous disons, monde invisible d'ailleurs. C'est eux-mêmes qui en charge. C'est en charge eux, parce que c'est eux qui a bénéficié de privilèges. C'est eux-mêmes qui a tiré les ficelles. Il faut que bonne discussion qui s'est arrêtée.
qui fait avec international là pour dire que écoutez hein, nous mettez des marionnettes devant pour faire des ordres dans le pays là, il faut que nous clarifions ça avec tout le monde. C'est là où nous sommes. Bon, et là pour nous y est. Mais moi je dis c'est là nous avons dû faire avant hier. Ah non. Il y a... L'année dernière. Oui, c'est ça. C'est ça que nous-mêmes, d'ailleurs, sur l'économie de violence, l'économie que nous faisons sur la fin d'une histoire économique, c'est ça que nous avons dit depuis longtemps. Évidemment, mon taroua, la capitule, je refuse de venir sous table, très clairement, parce que c'est mode opératoire, ça, en Haïti, depuis longtemps. C'est mode opératoire, ça. Hein. Et c'est ça qui fait que tout l'entente des malfaisances, évidemment, qui sortit de violence que vous faites sous le monde, le yéyé en transition, c'est toujours celle sous malheureux qui devant eux. Le monde qui dit que général, le monde qui ministre, le monde qui ceci, le monde qui cela, le monde dans la police, etc. Et puis les vrais acteurs, qui eux-mêmes, qui ont des systèmes dans ce genre-là, ils ont toujours été, ils ont surfé, et ils attendent l'autre, de l'autre acteur venu, et puis ils parlent de l'autre marionnette. C'est ça, hein? Mm-hmm. Depuis longtemps, c'est pas combien on a fait ça. On a fait ça depuis longtemps dans le pays d'Haïti. Cela veut dire que les gens sont visibles, ça t'a veut dire que nous arrivons, j'aime pas qu'à dire ça là, mais qu'ils font brèche dans le système qui tape toujours en attendant pour déboulonner. Mais ça, le face pouvoir, nous ne pas arriver pour consensus là. Pour nous soussembler, sous projet nous. Est-ce que nous, ça a été plus difficile que pour nous arriver à faire, que pour nous mettre tête ensemble et puis faire discuter, et puis pour nous dire que ça met un pays nouveau, et puis à partir de là, et puis attaquer notre propre RSA? Ah, Marie, c'est une bien forte question, ça, parce que il permet qu'on rectifie en bas. Parce que j'ai l'impression que je me suis très mal exprimé. Là, on a parlé de présence en série de monde, là, qui ont même mis des systèmes là. Si j'ai compris que le monde n'a pas, il n'y a pas de difficile monde qui est en opposition, non. Là, pour être pour les difficultés pour gagner une négociation, etc., c'est le monde, parce que le monde n'a pas traversé l'opposition, non. Si j'ai une difficulté, si j'ai compris que le monde n'a pas chuté seulement du côté du pouvoir en place, ma palais, et pourquoi ça que la palais, son pouvoir qui est pluriel. Il y a un pouvoir pour faire, pour gagner des privilèges, mais il y a un pouvoir tout pour actionner une série de monde pendant l'opposition. Et c'est même genre, on nous clarifie ça, c'est même genre Montana, qui sont mosaïques. Il y a tout le monde là-dedans. Mais Montana a traversé pas ça tout. Traversé pas ça tout. Hein. Pas des oligarques, traversé pas monde dans le secteur et société civile, dans le secteur populaire, etc. Donc, contradiction pour ouais. Dans la société, il a tout dans tout le groupe. Donc, là, nous, on dit chita avec les vrais acteurs. Ce n'est pas acteurs, ça, on comprend que c'est seulement action qui a fait, c'est seulement au niveau du pouvoir. Non, action au niveau de l'opposition, oui, pas qu'à tenter, etc. C'est acteurs, ça, qui là. Parce que ce sont les vrais tenants du pouvoir. Mais il ne faut nous pas prendre le mot pouvoir comme si mon ministre, c'est le ministère de l'économie et des finances, primature, présidence. Ce n'est pas ça le pouvoir non seulement. Le pouvoir, c'est capacité tout pour mener et pour tisser une série de relations dans la société et pour faire pouvoir marcher tout, même avec l'opposition. C'est le même genre. Et nous entendons une série de manifestations où il y a de gros acteurs là-dedans. Donc, acteurs, c'est acteurs qui pénétraient tout de suite. Donc, et là, on n'a pas les déchets avec acteurs, c'est là où on garde les situations. Donc, c'est une situation qui est délicate. Hein? Donc, là, on fait dichotomie dans la question. Là. C'est comme si, est-ce que c'est pas plus difficile pour nous-mêmes, et est-ce que c'est pas facile pour nous-mêmes que nous chita en opposition? Acteurs en dans, surtout. On n'a pas les oligarques en dans opposition, tout. Okay. Parce qu'ils ont parlé, ils ont fait le changement qu'ils ont parlé. Donc, ils ont assuré qu'ils ont gagné pour le voir tout partout. Et c'est ça, c'est là qu'on connaît cette situation, c'est là que nous sommes dans le pays. Donc, il y aura créé un mouvement pour mieux contrôler, pour faire en sorte que ben, il n'y a pas avancé. Ça a toujours été le cas dans le pays. Donc, l'homme a parlé là,
et m'pa parler pour pouvoir en place comme si monde qui vient placer nominal fonction publique m'pa parler pas la sensation parler au concept de pouvoir du pillage donc c'est là que nous si gars nous comprendre plus facile tout le monde mettre ensemble et dans opposition mais c'est pas vrai son bagage pluriel qu'on gagne ils sont pas pénétrés par toutes les forces du pays. Le monde d'attendre là et Fujian a dit c'est pas moins gros mais dans la moins gros mais encore aussi on ne peut pas comprendre le mangon même parce que le pays là ok mais Kounye là c'est arrivé ouais clair dans jeu monde ça et puis quand même pour arriver dans l'objectif ça en dépit de tout ça y a fait pour bloquer situation est-ce que et on se dit oui on masque tout qui veut changement est-ce que nous avons des mondes autour de nous quand même qui capable de faire ça et pour qui ça ça veut jusqu'à présent nous pas réussi à franchir pas ça non Marie c'est pas ouais nous pas ouais le jeu nous ouais le jeu nous écrit sous jeu nous sous ça mais là c'est petit peu et pas pas oublier c'est où gagner ça c'est dans un système. Et là, même si je trouve de manière naïve, on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Non, ça va prendre du temps. C'est ce que ça fait la vie. Tout le monde va. Fais attention. On a compris le jeu et les populations comprennent le jeu de ça. Là. Nous comprenons qu'il faut pénétrer tout le système. Nous avons dit que ce pays est un pays parallèle. Il y a un avantage pour nous assurer nous, que nous ne cachons pas ensemble autour d'une table que nous disons que nous allons changer les règles du jeu. C'est ça, c'est ça que nous avons dit. Oui. Nous avons dit que nous allons changer les règles du jeu ensemble. Ce n'est pas comme si de manière brutale et nous allons évincer le monde. Ce n'est pas ça lié. D'ailleurs, si nous allons évincer le monde avec qui sont pas le fonds supérieur, pour qu'on se paye avec le monde qui a l'argent, pour qu'on se paye avec le monde qui a l'expérience, pour qu'on se paye avec le monde qui a toute notre capacité intellectuelle, etc. Donc, nos pays, comme ça, ou pas qu'à ni léger que le monde qui a l'argent, ni léger que le monde qui a capacité. C'est ça qu'ils refusent. C'est changement de règles jouettes là. Donc, quand nous sommes ensemble, on nous dit qu'il faut que nous changions les règles jouettes là, parce que si nous ne pas changer les règles jouettes là, le pays ça l'a éclaté dans mes notes. Et le monde qui pourra le payer pour casser à nous, non seulement c'est dans eux, mais le pays a éclaté. Pour le monde qui vient, c'est là où fait l'argent, c'est là où fait business. Tout le business ne pas l'éclater tout. Donc, on dit, on nous chita ensemble pour nous redéfinir les jouettes là, côté petit monde Saint-Suzanne, petit monde autour, petit monde en sa galette. Il y a une opportunité, pour entrer dans la fenêtre, pour exploiter la potentialité qu'il y a dans le pays. C'est ça, oui, la définition du jeu là, que tu peux. Nous sommes tellement habitués à la question de monopole, et là, monopole économique, là, ils viennent obliger des monopoles au niveau politique pour assurer que vous même mis sous l'État, et c'est seul barré par le cap marché. Ou bien une situation compliquée, ça. Mais il faut que vous reconnaissiez. Si le jeu pas changé, nous, tout a perdu. C'est-à-dire nous sommes capables de compter sur le monde ça yo, qui, je dirais, qui a bénéficié de système ça pour le changement. C'est pas compté, non. On parole pour dire clairement. Et justement, c'est la non-volonté. C'est le refus pour eux-mêmes, pour eux qui comprennent ça, qui mène à notre situation. C'est pas compté sur eux. Si, par exemple, parole n'a pas suffi, ou vient longtemps insurrectionnel, et c'est insurrectionnel ça, il t'a débouché. C'est insurrectionnel ça qu'on a dans là. C'est lui-même qui mène nous généralement dans des foucages, dans une série de violences contre la population, et puis le monde entier a gardé nous, n'a pas fait violence, yon sous l'autre. Donc, c'est yo. Et il faut que yo même que yo comprenne, yo pas bénéficier de situation chaotique là. Situation chaotique là, a emporté tout. Par exemple, nous regardons ce qui a passé au niveau du système bancaire là. C'est un bagage extrêmement difficile, oui. Plein monde, parce que comme on a des autres totalement, on a perdu l'idée. Et là, exaction a fait ici et là. Et donc, on est en situation extrêmement compliquée dans le pays. Et eux-mêmes, qui viennent de business, c'est pas vrai qu'il y a bénéficié de situation chaotique ça. Et situation chaotique ça, parce qu'ils ont degré 1, plus ou quitter la prouver, ils peuvent exploser et ils peuvent prendre l'autre forme. Donc, c'est pas vrai qu'il y a bénéficié de ça, non. Donc, si, mais par contre, si on n'a pas attendu les paroles là, c'est là que nous arrivons. Même si la gouvernance,
qui sont roulettes, qui sont roulettes, pas tombé. Situation, vous pensez que n'a fait aucun, n'a fait le soir, parce qu'il est discours tête en bas pour montrer que n'a tiendé, et l'international là vient porter au secours. Ce n'est pas vrai. L'international là, même si même l'a tiendé, mais c'est vous qui l'a, c'est vous même qui l'a fassé pour qui gérer. Donc, il y a même gardé tout, incapacité pour gérer ce qu'il a en notre pays. En parlant de l'ordre international, là, pour ton secours, concernant force multinationale, on a venu avec question insécurité à l'heure. Et force, là, on viendra pas. Dernière évolution, dans le dossier, ça, la justice qui bloque et déploiement force, là, la justice kenyane, bien sûr, les Américains qui disent que. Pour force à venir comme déclaration et président Kenya qui dit bon qui a venu dans quelques jours ou même comment vous comprenez jouer ça si vous avez brûlé comme ça bon et premier bail moi même j'ai un citoyen kenyan d'ailleurs c'est monsieur Boss qui a 23-24 ans et donc nous toujours des contacts premier bail ça et toujours des réserves et ça m'a parlé de bail 3-4 mois et peut-être plus, on a parlé avec monsieur. Monsieur dit que, il va y avoir comment il s'appelle fait. Là, il a parlé comme citoyen kenyan, qui vient influence pas, il vient en audit. Parce que lui-même, c'est entre l'Europe et les États-Unis. Là, il y a contact au Kenya. Même les haïtiens qui sont dans la diaspora, il y a contact ici avec des gens qui sont dans le pouvoir, etc. Toujours dit moi, il va y avoir comment il s'appelle fait. Parce qu'il y a une difficulté, il y a même une difficulté dans le pays avec l'opposition, etc. Jamais comment ça va le faire. Mais ça veut dire que viendra pas, comme tu viens de le dire, et c'est la situation ça que nous est. Mais maintenant, nous-mêmes, au niveau du pays, et puis longtemps, poser ça, ça dit que, et garder gouvernance, on a parlé de dénonciation qui a fait, non seulement par le monde qui est dans la force police, on a parlé par la population humaine, qui a dit une collusion entre le monde qui a gouverné le pays. Et les gens qui ont des questions de sécurité. Regardez, et ça peut dire dans le monde qui est en prison, bien qui a jugé là-bas, qui a dénoncé le monde. Mais les gens qui ont dénoncé là, c'est les gens qui ont le pouvoir. Nous-mêmes, que nous vivons une situation côté que, il y a un ministre de l'Institution, un ministre de la Justice, et soit que mettez-nous sous liste, à tort ou à raison, mais ça fait que, les motifs que vous avez là, c'est liaison qui gagne, non seulement la question des armes, la question de blanchiment d'argent, la question de kidnapping. Donc, ou bien un problème clair au niveau de gouvernance ou une liaison claire entre gouvernance et situation de sécurité que nous vivons dans le pays. Donc nous-mêmes, nous avons parlé de changement de gouvernance là. C'est ça, oui, donc ça c'est le premier barrière pour nous résoudre. Ou pas qu'il y a un monde qui a supposé en charge justement d'assurer la sécurité population, et puis nous-mêmes, il y a une liaison avec nous. Et ça, c'est nous-mêmes, comme nous n'avons pas gagné barrière dans le siècle, c'est le barrière qui a pris, le barrière qui a dit à travers sanctions. Et des mouns qu'il y a jugé aux États-Unis, qui a dit, mais 1, 2, 3, 4, c'est bagage. Donc, le que nous gagnons, fait ça devant nous, il montre nous, il y a une grosse cause, problème de sécurité qu'on gagne dans le pays, c'est là le chita. Le problème de gouvernance, c'est le chita. Question de, et mouns qui, dans la gouvernance, ça, qui a des côté munitions, bah, etc., au bon problème. Les amis, au côté, ils passent, c'est nos frontières. Et qu'est-ce qui surveille les frontières, c'est nous-mêmes. ZAM, que de passer, c'est la douane. Qu'est-ce qui surveille la douane? C'est nous-mêmes. APN, qu'est-ce qui surveille? C'est nous-mêmes comme l'État. Donc, au bon problème au niveau du gouvernement, tout pas résoudre le problème, ça. Ou pas adresser le problème de sécurité de manière efficace, de manière efficace. Ça, c'est un niveau. Deuxième niveau, sous question de l'insécurité. Au bon problème, au bon problème d'effectif au niveau de policiers. Et là, on fait tout ce qui fait, parce que dans pile dénonciation qui a fait. Donc, si nous-mêmes, minimum d'efforts, ça, nous pas faire minimum d'efforts ça nous pas faire et puis nous dit n'a pas résoudre problème et sécurité jamais que le lip service on va dire du bout des lèvres mais en fait pas aucune action de manière concrète pour moi. Donc pendant que Kenya a vini ou pas vini là nous mêmes comme l'État il y a des actions qui sont supposées prendre le nettoyage qui fait au niveau de force de sécurité pays hein. Doit nettoyage supposé fait au niveau de l'administration publique là pour qu'a dit et qui monde qui est responsable mais qui monde qui a fait ceci monde fait cela et puis pour gagner la confiance et là la population souffre okay. Non, non, non. Comme si nous même au Chita ou au Kenya bien au Tanzanie qui sortent et puis
pas rien qui fait du tout. Ça veut dire autorité a gain de données que nous pas gain, nous gain de dirigeants vers AGIA et c'est parce que nous pas quoi du tout que les forces de sécurité nationale le grand bagage que nous ta faire face et à situation ça. Yep. Toujours sur la sécurité. C'est lui-même, c'est grave. L'hypothèse pour là, c'est le correct. C'est grave. Ça veut dire que nous avons 12 000 et nous avons 7 000 comme il y a là. Donc nous avons 7 000 agents qui sont dans les corps policiers là. Ou si nous avons 1 000, 2 000 policiers que nous connaissons, qui font travail, qui font travail. Ah, ça. Et puis peut-être ça me bavle les retenir. Pour faire la police là, au moins, si il y a 7 000 comme il y a là, il faut que 3 000 personnes que nous avons compté sur eux. Nous avons compté sur eux, mais pour compter sur eux, voilà, il faut que le gouvernement ça, parce que les policiers sont les gens. Et moi-même, ma bonne exemple, Maïs. Cap haïtien, il y a payé les policiers qu'on y a là. Okay? Donc, l'une devant la centrale, ils font pas passer. Ça, c'est déjà un irrespect total. Vous entendez que chef de la police, même, l'a parlé de et salaire 18 mois que tu es supposé ajuster, qu'on y a là, et c'est un don, parce qu'ils sont des termes qu'ils utilisent, qui ont action du gouvernement pour faire tout policier. Ouais. Alors, nous prenons policiers, nous vraiment prenons policiers pour des imbéciles. Donc, policiers pas comprendre que ça a fait là. Et d'ailleurs, quand la police a rentré, nous sommes capables de passer à l'arrière, il a dit ça. Il dit, il y a l'argent pour nous venir tout le monde s'est février. Et il y a des policiers, ils ont même dit qu'ils se sont fait à ça. Comme si nous comprenons que les policiers, ils vont comprendre ce qui a passé. Bien sûr, ils comprennent. C'est des gens qui dotent d'intelligence, d'ailleurs, c'est des gens en pilant, c'est des gens qui ont un gros raisonnement. Ils comprennent ce qui a passé. Donc, le premier là, on a traité agent sécurité pays, le niveau ça, avec déférence ça, avec mépris ça, et puis on comprend que quoi police ça, son quoi police qui a défendu, non, mais moi-même je pense que à l'intérieur de quoi police ça, on a 3-4 000 personnes qui eux-mêmes, ils ont classé pays, ils ont servi même gens dans la population, il y a des vagabonds dans la population, et dans toute institution, donc on ne peut pas prendre comme si c'était quoi police, des vagabonds. Oui. Il y a des gens qui résonnent, des gens qui ne sont pas résonnés. Donc, on a un conflit qui fait pour nous savoir que nous sommes avec eux, pour qu'il y ait une population saine. Ok. Là où même j'ai avec la population, des policiers, des possibilités, il y a quitté le pays, mais est-ce que toute information qui a circulé sous implication éventuelle de dirigeants, et déstabilisation paysanne, déstabilisation dans la question de l'armée, est-ce que aujourd'hui, alors, la demande est-ce que il y a un peu de policiers qui sont toujours concernés par ça qui passe, par nécessité pour que les services policiers puissent protéger et servir la population? Est-ce que cause ça à cette insécurité? Est-ce que vous avez un pire qui prend vraiment ou cap gagner un pire pour la contribution là et mettre dans la main hors de ta venue? Non, mais Marie, si ça m'a fait expliquer là, on trouve. Non, en général, trouve. Le pour gagner un corps social qui est malade. Comme si nous pas prendre un policier et puis nous retirer le corps social. Policiers pas kenyans, non? Ni pas américains, non? Policiers sont des haïtiens qui agissent, qui connaissent la vie et qui en situation de détresse pour la famille et qui ont payé, leur supposé payé. Et là, c'est un bon scandale. Les policiers mourent avant que la famille ait réclamé et ça que leur supposé payé. C'est tout proche de promiscuité et pour me dire comment ça a passé. Donc là, j'espère que vous redressez dans la situation. Ça. Donc, les policiers, c'est des gens qui ont dans la société à créer. Donc, ils ont gardé ça qui a passé. Mais le fait qu'il y ait une condition, ça ne veut pas dire que ça a gagné des gens. Parce que c'est le problème.
c'est quoi 2-3 000, et puis on dit, ok, nous ne savons pas, c'est eux, nous pensons, ils clean, font un bon vêtement qui fait. On a besoin de 3 000 policiers dans cette pays-là. C'est d'accord. Évidemment, il y a un tout qui perdu, il y a un qui est en relation avec gang, mais il y a des relations avec gang, c'est pour protéger tête et tout. Imaginez un policier qui est ici, qui est dans la zone, tout fermé, dans la zone ça. Je ne peux pas excuser, là, mais excepté que c'est dans la zone ça qu'il est. Donc, vous gagnez, il y a une coopération volontaire et une coopération involontaire. Oui. Donc, si ça, si nous pas adresser le problème fondamental ça, à des citoyens qui étaient d'accord, protégés et servis, ou la guille là, à la merci de jeunes garçons et jeunes femmes, et qui est-ce qui a baillé les jeunes garçons et jeunes femmes, ministre avec exemple, c'est des gens qui sont autour du pouvoir, c'est des gens qui eux-mêmes qui ont profité de tout privilège de pouvoir, c'est eux-mêmes qui ont baillé les jeunes garçons et jeunes femmes. Les âmes de pays. Et puis nous pensons que le policier, ça lui-même, il peut gagner sa volonté pour le travail, il est supposé travailler. Donc ce problème, ça, il n'a pas parlé de problème de gouvernance en Russie, c'est ça. Si que nous ne parlons pas les paroles là claires, nous conscients de qui ça peut nous vivre là, en termes de déchéance, en termes de dégradation sociale en de pays, si nous ne pas conscients de ça, on se fout les doigts et dans l'œil. Il faut que nous clair, mais qui s'est passé là, et mais comment pour nous résoudre assez par un changement de gouvernance. Là. Et là, je me dis, gouvernance, m'a répété, pas parler du monde, mais parler de gouvernance. C'est tout un système, on va de caricature de système qu'on gagne là. Tout un système, côté qu'on gagne deux, trois bons côtés du système là. Je comprends tout ça. Je dis qu'il y a bail l'ordre. C'est ça, oui, pour nous changer. Et c'est pas la dernière question là. C'est plus dur. Sous financement mission internationale là et les États-Unis promettent jusqu'à présent 200 millions de dollars et nous apprenons que le Congrès a les gens prochains pour les capables permettre des blocages forçats et vendredi dernier nous apprenons que des demandes qui fait 1 million de dollars au Congrès et débloquer seulement 10 millions de dollars et même si situation, l'État dégelé au niveau de Kenya, financement, c'est-à-dire qu'il y a quoi pour force à capable de venir, et nous non plus ne viendra pas que viendra. Et en tout cas, et ça qu'on dit comme information, c'est que M. Sam Litou, hier, sur Miami Herald, Jimmy Gassi BTC, et puis a demandé au gouvernement Biden pour avoir plus d'explications sur force là. Yeah. Donc, c'est ça que nous allons. Donc, ça ne viendra pas. Et moi, je peux vous assurer, pour avoir travaillé avec les Africains pendant longtemps, étudier et travailler avec les Africains, mes frères, là, j'en vais disponible, et pas plus, on passe ça, on va là. Oui. Ça, d'ailleurs, on va aller sur tu dis ça, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Pour la situation, ça. Mais si c'est la situation, ça, vous me pensez que. Pendant que la discuté, parce que ça, en dans la discussion, la fait à tout avec le monde, il y en a par rapport à force police, ça. Ah, pas force police, force de sécurité, et en dans le pays. Parce que vous avez un garçon, jeune femme, et vous étiez étudié, et baronné à l'équateur, au Mexique, et qu'il a. Il faut que force ça, et voilà, qui se positionne nous comme force de sécurité, il faut que nous regardions qui ça avec eux. Qui, l'argent qu'il a pris, il y a des 11 milliards, 12 milliards, la loi, etc. Comment qu'il a utilisé l'argent, ça y va, ou sous ça y va, pour nous adresser les priorités? Les priorités. De sécurité. Donc, si nous gagnons fonds, ça y va, là, nous gagnons mon mieux qui est disponible, il faut que nous connaissions aussi conditions pour le mettre mon mieux. Les conditions, et pas seulement conditions matérielles, mais conditions psychologiques, conditions mentales. Pour faire mon mieux qu'on ait que pays à ces pays parlés et protéger ces pays-là, qui fait partie de préservation pays. Parce que c'est le premier côté où on a besoin de détruire la nation. C'est l'État écrasé. Et c'est ça que nous vivons là. Comme s'il écrasait l'État, et puis il écrasait la nation lui-même, il écrasait tout. Et là, pour nous sauvegarder la nation, il faut qu'il y ait des mondes qui peuvent protéger mon mieux, non seulement un pays, protéger l'un contre l'autre. Mais pour tenir compte les forces extérieures. Mais qui est-ce qui a fait ça? Les forces de sécurité en la pays. Donc il faut que nous-mêmes, que nous voyons notre Dieu,
sont les gens qui ont été les forces de sécurité pour nous connaître comment on a traité en termes d'assurance santé et en termes de salaire, de logement, etc. C'est tout ça et tout en termes d'équipement, d'entraînement, de formation. Ah, pendant que nous n'avons pas illusoire et viendra pas, là, il y a des actions concrètes par rapport à la force de sécurité dans le pays. T'as pas demandé pour les dirigeants, ouais, on le barre là, on l'autre gens. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Fidjian, pour que tu parles ça. Et à bientôt sur Réseau de Mieux. Merci, Marie-Lucie, et merci à tous les auditeurs auditrices qui t'apprêtent nous, et surtout, mon Nord-Est qui t'apprêtent nous matin. Merci. Et voilà, Fritz Alphonse Jean, notre invité ce matin, c'est président du groupe Montana dans l'histoire d'Arc-Élysée Bonheur. Merci à tout le monde pour attention à nous, pour fidélité à nous. Bonne journée, bonne semaine, sur Vision de Mouti. C'était notre invité du jour. Émission nous sommes côté là, c'est Capital Bank qui patronne. Bon banque qui montre respect pour toute client. Capital Bank joue à travail pour développement pays. Capital Bank. Bon bank. Vision 2000. Chaque fois nous partageons histoire nous comme peuple, nous honorons mémoires en sept nous. Les comme ça, c'est pour nous faire avec fierté. Parce que l'héritage qui était pour nous, sans pareil. C'est nous nous comme peuple. C'est peut-être ça. Dans la Banque Centrale, sous chaque billet good ou bien pièce monnaie nous mettez en circulation avec photos en 7 nous, nous bayons plus valet. Et puis, nous exprimons nous comme un peuple fier, solide et qui responsable. Jodia, nous devons comprendre que chaque fois nous maltraitons un billet ou soit une pièce monnaie, c'est l'histoire pays nous n'a pas chiffonné. C'est peut-être ça, l'important pour nous servir bien avec l'argent nous. Pas ployer nous. Pas chiffonner, pas chirer, pas mettre au côté ou qu'à mélanger ni à l'eau, ni à gaz, ni aucun autre matériel liquide. Pas quitter au côté pour prendre poussière, pour y bacan. L'enkembe l'argent nous propre, nous voyons pi bon image de pays. Nous éviter l'état dépenser trop l'argent pour imprimer l'eau.